question. Thank you, Mr. President. Somakon Lok Prathean. Excluding Le fait qu'on aurait pu interroger le témoin en 2009 Bonjour, Monsieur le Président, je vous remercie. Et je voudrais confirmer avec vous que lorsque vous avez été garde des prémices de S21, vous n'aviez pas de contact avec le personnel qui était à l'intérieur des bâtiments et qui menait les interrogatoires à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous avez été garde à l'extérieur, Cầm lang bọt đứt do mò bị không thể được chầm
Donc, je comprends de votre réponse que vous n'avez pas travaillé avec lui lorsque vous étiez à l'extérieur de S21 à garder le portail de S21. Plus précisément, sur cette garde à l'extérieur, est-ce que vous vous souvenez combien vous étiez de garde à garder les alentours de S21? Pour essayer de comprendre comment étaient et garder les prémices de S21, je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, vous montrer une photo que nous avons dossier. C'est le document E3-9431. Et je voudrais savoir si vous voyez sur cette photo l'endroit où vous étiez stationné. Le RN en français, le 001-8-5-0, en anglais 001-9-8-0-2-9, et en Khmer 001-8-3-9-6. Et avec l'autorisation, Monsieur le Président, je voudrais que Dame Lutier puisse remettre la photo au témoin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si sur cette photo apparaît l'endroit où vous étiez stationné avec vos collègues gardes. Est-ce que vous pouvez voir cet endroit ou est-ce qu'il se trouve encore plus loin à l'extérieur de la photo? Est-ce que je dois comprendre que l'endroit où vous montiez la gare était encore plus à l'extérieur de l'enceinte que l'on voit apparaître sur la photo? Ma question est donc de savoir est-ce qu'à l'époque, il y avait un portail qui avait été spécialement établi en plus de l'enceinte que l'on voit sur cette photo. Parce que lorsque vous avez été interrogé devant cette chambre, vous avez indiqué que vous étiez stationné à un portail. Donc, quand j'entends portail, pour moi, je pense à un mur. Est-ce qu'il y avait encore un autre mur qui était à l'extérieur de l'enceinte que l'on voit sur cette photo?
Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez redonner le nom que vous avez indiqué pour évoquer le lieu à côté de la caserne des pompiers, parce que l'interprète en français ne l'a pas bien saisi. Vous pouvez répéter ce nom, s'il vous plaît. ឡើងឡានទឹកមិញលោកអាចផ្ដល់ឈ្មោះទីតាំងនឹងម្ដងទៀតបានទេព្រោះថាជាភាសាបារាំងដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮហ្នឹងមិនសូវជាច្បាស់បាទចំណុចឡានទឹកហ្នឹងនៅខាងលិចប៉ុស្បុកឃុំឡើងខ្ញុំនៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេដាក់ឡានទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអ្នកខ្ញុំហៅឡានទឹកឡានទឹកហ្នឹងព្រោះកន្លែងទីតាំងអស់ឡានទឹក Vous avez évoqué une clôture en zinc surmontée de barbelés. Est-ce que vous savez quand cette barrière a été établie, celle à laquelle vous étiez stationné? ពេលខ្ញុំចូលទៅគឺរបងហ្នឹងមានស្រាប់ Vous avez indiqué que vous étiez un garde, un portail. Ma question est de savoir comment vous faisiez pour vérifier quelles étaient les personnes autorisé à accéder à l'intérieur de l'enceinte de 1021. Est-ce qu'il y avait des documents à vérifier? Comment cela se passait-il? Mon nom est Agnès Aujol. Donc, si je comprends bien votre réponse, cela veut dire qu'un véhicule qui n'était pas un véhicule de S21 n'était jamais autorisé à rentrer. Je voudrais maintenant m'intéresser à votre période en tant qu'interrogateur. Excusez-moi, un dernier point avant de passer à ce point-là. Nous avons au dossier un document E3-8-6, qui est une circulaire à l'attention, a priori, du personnel de S21, qui comporte différentes règles, et à la règle numéro 8, donc le RN en français est le 00532733, à l'URN en anglais 00521631, et à l'URN en khmer 00002637, à la règle numéro 8, voilà ce qui est indiqué. Lors de la patrouille, les cadres de l'unité des 50 doivent être présents au poste de garde de chaque secteur dont le parti leur a confié la responsabilité. Fin de citation. Première question à ce sujet, est-ce que l'unité des 50 ou bien l'unité qui était en charge de garder, l'extérieur de S21, en tout cas l'enceinte et le portail? Gong top bay krom
ຈັ່ງມັນໃນຕາກອງຄາຫານັ້ນຈັ່ງក្នុងក្រុមນີ້ຫນ່ວຍຫນ່ວຍຫນ່ວຍຕ້ອງກອງຄາຈັດແຈງຕ້ອງກອງຫາຮຽບຈອມឲ្យដាក់ໃນກາຍຫນ້າກາຍຫນ້າໃຫ້ក្នុងຍຸກຫນ່ວຍຫນ່ວຍກອງຄາແຕງແຕ່ດາປະຕຸຍດາມືຕາມກົມໃນຍາມການដាក់ໃນກາຍນັ້ນມີການຍາມເດກຍາມງຶດຫຼືຫນ່ວຍກໍມັນບານຍາມອີ່ຕິອັນນັ້ນກອງຄາໃຫ້ດາຕຣວດປະນິດក្នុងຍຸກມາດອງຫຼືປີດອງອັດຄານ Dans l'extrait que je vous ai lu de cette circulaire, il est évoqué différents secteurs qui étaient à surveiller. Donc, ma question est la suivante. Ces différents secteurs, c'était les secteurs au sein même de S21 ou est-ce que c'était des secteurs qui étaient en rapport avec le portail et la clôture autour de S21? Donc, pour peut-être pour préciser ma question, est-ce qu'il y avait des secteurs qui concernaient les parties extérieures et notamment le portail de S21 dans les secteurs qui sont évoqués dans cet article? ឧទាហរណ៍ដូចក្នុងសម្រង់ដែលខ្ញុំអានឲ្យបាញ់មិញហ្នឹងគឺមានផ្នែកខាងរបងខាងក្រៅផ្នែកខ្លោងទ្វារហ្នឹងមានតែផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទៅខាងក្រៅសុទ្ធទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងផ្នែកការពារខាងក្រៅហ្នឹងគឺនៅខាងក្រៅសុទ្ធមកអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយនៅក្នុងប៉ុនគាត់ថាក្នុងអង្គភាពស21ដូចគ្នា Je voudrais donc maintenant m'attacher à la période où vous avez été interrogateur. Vous avez indiqué que lorsque vous deviez interroger une personne, vous n'aviez au départ que son nom, sa province d'origine et son numéro de cellule. Je voudrais confirmer avec vous que, dans le cadre de votre interrogatoire, vous n'aviez jamais contact avec les personnes qui avaient arrêté les prisonniers que vous deviez interroger avant vous-même de les interroger. មិនដែលមានអ្នកម្ដងមួយគ្នាតាំងពីមុនឬក៏ចូលដល់ក្នុងគុកពោះមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នា Je dois m'être mal exprimé, donc je repose ma question. Lorsque vous aviez un prisonnier interrogé, vous-même, personnellement, vous n'aviez jamais de contact avec les personnes qui avaient arrêté ces prisonniers pour les amener à S21. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលចាប់អ្នកទោសហ្នឹងទេមិនមែនជាមួយអ្នកទោសទេលោកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកចាប់ទេបាទជាមួយអ្នកចាប់មិនមានដែលទំនាក់ទំនងគ្នាទេព្រោះរឿងវាអ្នកចាប់មកវារឿងផ្សេងមកដល់ក្នុងគុករឿងអ្នកក្នុងគុកណាផ្សេងអញ្ចឹងអត់ដឹងអត់ដែលស្គាល់មុខអ្នកចាប់ហ៎ Yeah.
Vous avez indiqué, c'était à l'audience du 27 avril, un petit peu après 13h56 et 22 secondes, que les personnes qui avaient le droit éventuellement d'assister aux interrogatoires que vous meniez étaient vos supérieurs, si j'ai bien compris, donc, à savoir d'où, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient autorisées à assister à vos interrogatoires? បាទពុះមេមេសួរចម្លើយមានថាអតិថិជនដែលជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងក្រុមនឹងគេសួរផ្ទាល់គឺសួរដោយតែខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិជាប្រធានក្រុមហើយនឹងដើរចេញចូលបាន Et qu'en est-il de Duyck? Cho Duyck vĩnh nhầm mạch đại. Bà Duyck nhấn chìa mà đoan mà cá thế này, mà chô đo lại nhóm gọt đa chóm, gọt chô mơ tao vì dịp hiệp. Này nhóm xua nâng vừa ban lặt pho nhầm mạch ấy. Chẳng gọt mẹn mau rò ngay và mưa rò ngay thì vô ca nghe gọt nó không rấu. Donc en dehors de vos supérieurs, aucune autre personne n'était autorisée à rentrer dans votre salle d'interrogatoire. Est-ce que je comprends bien votre déposition? Et est-ce que je peux donc conclure que dans les mêmes conditions, vous-même, vous n'aviez pas le droit d'aller dans les salles d'interrogatoire de vos autres collègues lorsqu'ils faisaient l'interrogatoire d'autres prisonniers. Est-ce que, en tant que. J'ai compris qu'il y avait plusieurs unités d'interrogatoire. Est-ce que vous aviez le droit de discuter du contenu de votre travail et du contenu des différents interrogatoires que vous aviez menés entre différentes unités? ពិភាក្សាគ្នាអំពីក្រុមសារចម្លើយសារភាពឬអំពីការងារសួរចម្លើយដែរឬទេ Je voudrais maintenant évoquer avec vous les formations que, dont vous avez parlé et auxquelles vous avez insisté au sein de S21. Tout d'abord, une première question. Les formations ou les réunions avec Duyck avaient lieu à quelle fréquence? ការរៀនសូត្រនេះជាការរៀនសូត្ររបៀបថាសាមញ្ញជួនក៏មួយអាទិត្យម្ដងឬក៏កន្លះខែម្ដងហ្នឹងហៅថាប្រជុំសាមញ្ញនៅក្នុងសាលានយោបាយក្បែរផ្ទះគាត់ហ្នឹង
au cours de ces formations politiques, est-ce que, au cours des différents mois que vous avez passés au F21, vous avez été informé de la situation au front où, lorsqu'il y avait des incursions vietnamiennes au sein du territoire cambodgien? Je vous pose cette question parce que dans un document qui a été amplement utilisé par M. Poutouba, les fameux carnets de Chan, à l'URM français 00 2 8 5 3 5 3 5 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
d'une incursion de plusieurs divisions vietnamiennes sur le territoire cambodgien. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous avez entendu parler AS-21 aux alentours de fin octobre 1978 et après d'une telle incursion vietnamienne? Est-ce que vous en avez besoin, que ce soit dans le cadre de formation ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de discussions ou de rumeurs ឬក៏ពាក្យចាមអារាមឬក៏ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការសិក្សារៀនសូត្របស់លោកនៅមន្ទីរសំភៃមួយលោកធ្លាប់ឮទេពីការវាលោកពីសំណាក់វៀតណាមបាទពាក្យហ្នឹងមានឮនេះដោយសារតែចេះថារឿងវៀតណាមវាលោកចូលខ្មែរយើងគេមិននិយាយទេព្រោះអាហ្នឹងគេនិយាយតែរឿងខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម nâng kỳ gì chẳng kỳ gì nâu khang xoài riêng nâu khang khai tật đa khai tật kéo ấy nâng miền dây tam prom đai nâng khai mai dương quê lúc là châu đó đang chết bình cô ấy nâng miền núi sâu gì mình đào rừng Việt Nam châu một khai với nhau gì tôi ngay cũng bơm mạ ra nâng bạn bài chọn miền nào gì sao Toujours sur ce même document E3/7/3/15, cette fois-ci, c'est un article a priori vietnamien qui s'intitule le Khandoi Mandan Report of Uprisings in Cambodia, donc 23 octobre 1978, où là, a priori, il y a un article de presse qui évoque des révolte cambodgienne contre la clique de Pol Pot et Yeng Sari, donc quelque part en octobre 1978. Et je voulais savoir si vous avez entendu évoquer AS-21, ce genre de révolte en octobre 1978, et si vous avez constaté qu'il y avait eu une arrivée de nouveaux prisonniers aux alentours de cette période. Un autre point que je voudrais aborder, là c'est encore pour la période fin 78, nous avons eu devant cette chambre plusieurs témoins qui ont évoqué la visite de journalistes étrangers et d'un professeur, le professeur Caldwell, qui est mort à la suite d'un attentat lors de cette visite. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous vous souvenez, au sein de S21, si cette question a été abordée de l'attentat à l'encontre de ce professeur étranger et s'il y a eu des incidences sur votre travail à S21? Et est-ce que vous vous souvenez, sans avoir entendu parler de la mort de ce professeur Caldwell, est-ce que vous vous souvenez si vous avez entendu parler de la visite de journalistes étrangers aux alentours de cette période? Un
point particulier par rapport à Duc dans votre déclaration E3/79 ERN en français 00165 que l'idée venait de Duc. Ma question est la suivante. À quel moment est-ce que vous avez entendu Duc évoquer ce point? Est-ce que c'était dans le cadre d'une formation ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous a mentionné cette méthode comme étant préconisée par Duc? Bạn về bảo vệ bảo nhà tôi đang đọ cái chỗ nó cứ đốt bàn hao tàu sờ lan dụ bài nó cứ bằng riêng prap thì cả dòng chul làm chul đang các bạn muốn muốn nó giờ là chặn thấy là nó chỉ thì ra đại quạt bằng riêng prap thì từ bông lái gọt nhau mình đang 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 lưới đó đường thì ở đây luôn tiếp đăng đại được prap về đăng đề Je vous pose cette question, monsieur le témoin, parce que à l'audience du 16 juin 2009, un document E3/5800, qu'il a entendu parler de cette méthode, mais voilà ce qu'il dit à ce propos, je cite, à ce moment-là, j'ai averti les interrogateurs qu'il ne fallait pas continuer, sinon j'en rendrais compte au supérieur. Han s'est défendu en disant que lui-même n'avait pas arraché d'ongles aux prisonniers, qu'il n'avait pas été jusqu'à arracher les ongles avec les tenailles. Sur cet avertissement que je leur ai donné, cette pratique a été arrêtée. Fin de citation. Donc, dans le cadre de son interrogatoire lors de son procès, Duc a l'air d'indiquer que non seulement il n'a pas donné de telles instructions, mais que surtout il était contre et qu'il a demandé l'arrêt de l'utilisation de cette méthode. Est-ce que ça correspond à des souvenirs que vous avez ou pas? បាទសម្ដីនេះដូចម្ដាយបានយាយប្រាប់ឲ្យមិនហាអាហារមិនឲ្យដកហាមិនឲ្យធ្វើទេព្រោះការធ្វើកន្លងមកគាត់អ្នកណែនាំឲ្យធ្វើឲ្យក៏ម្ដាយប្រាប់ឲ្យឈប់ធ្វើដែរអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់គាត់ដើម្បីលុបលាងដើម្បីសម្រាលរបស់គាត់ Vous avez indiqué lors de votre interrogatoire la semaine dernière que vous avez vu, lors d'une formation politique, et nous avons eu donc le témoin Lakmin qui a également témoigné dans ce procès et qui lui a dit à l'audience du 26 avril 2016, à 14h24 et 57 secondes, voilà ce qu'il dit, je cite, j'ai vu Son Sen qui est venu mener des formations politiques à I-21. D'après mes souvenirs, il venait assez fréquemment. Il est venu 4 ou 5 fois pour mener des formations politiques à I-21.
Ma question est de savoir, est-ce que c'est un point qui vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que, comme le dit Lakmin, Son Sen venait fréquemment à S21? Ou est-ce que vous maintenez, vous ne l'avoir vu qu'une seule fois? នៅ តែ រក្សា ចម្លើយ របស់ លោក ថា លោក បាន ឃើញ សុន សែន មក មន្ទីរ ស. 21 តែ មួយ ដង ទេ បាទ ចំពោះ លោក សុន សែន ដែល មក ស. 21 នេះ ខ្ញុំ បាន និយាយ ពីសារ មុន គឺ បើថា ការ ចាំ របស់ ខ្ញុំ ឃើញ មក ប៉ុន្តែ គាត់ ថា ម្ដង ឬ 2 ដង ខ្ញុំ មិន ប្រកាស ដែរ ព្រោះ វា យូរ ពេក ខ្ញុំ មិន អាច ចាំ យក មក និយាយ ជា ប្រកាស ជា បាន ទេ Hãy tên mau xong một thay mối cứ mình đai khơi trô nó ra lại cục đi khơi là nó lại làn vô bài cái bài kia đục để nó thì Et précisément sur ce point, le procureur nous a posé la question sur l'éventuelle existence d'une relation hiérarchique entre Son Sen et Duc, mais vous n'avez pas vraiment répondu à la question, donc je vous la repose. Est-ce que vous savez s'il existait une relation hiérarchique entre ces deux hommes? Donc je comprends de votre question, de votre réponse que Son Sen, enfin vous, selon ce que vous avez constaté, considérez que Son Sen était le supérieur de Duc. Est-ce que je dois comprendre? Bah, tam trao ouais. Et un dernier point dans le cadre de vos formations, vous nous avez évoqué, vous avez indiqué que il y avait une question de confidentialité, de secret. Chacun menait ses interrogatoires et vous ne pouviez pas échanger les uns avec les autres. Mais de façon générale, est-ce que vous vous souvenez que dans le cadre de ces formations, le principe du secret dont nous avons entendu parler à de nombreuses reprises dans le cadre de ce procès, est-ce que le principe du secret vous a été également inculqué lors de ces formations? J'en ai terminé de mon interrogatoire, Monsieur le Président. Hi.
questions about Khmer Sarai, Khmer So, Pita, Yung Ban, Su, Pong Dai, and Time Pinaku, Bepon, and Khmer Sarai, Khmer So, I got Dochi, Jumna, Bepon, and Jumloy Sarapir, I need such a chip to the Bat, like Yum, Chung, Lang, Su, the Chinese, some kind of Yat, look with Tin, look with Tin, some like Yang Nano. Monsieur le Président, nous avons exprimé Nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre, Monsieur le Président. បាទអង្គជំរះសម្រេចថាមិនផ្ដាល់ឲ្យតាមសំណើសុំរបស់លោកមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាលោកមេធាវីវិជ្ជាកុបេទីតែអង្គជំរះពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដាល់ឲ្យពី15នាទីទៀតដែលនៅសេសសល់នេះពីព្រោះមានការខាត់បងខ្លះនៅក្នុងឡុងពេលនៃការពិភាក្សាដែលសំណួរបញ្ហាពិភាក្សាឬសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឯកសារដែលបានមកពីថៃកម្មរបស់សាក់សីជនក្នុងគ្រោះឈ្មោះឈុន For the record, Mr. President, I'm going to be considered to be a nail of a prisoner. You said you didn't hear this, but it's true that from 21 for a long period in 1978. Just in question, traduction. ពួកមន្ត្រីគ្រប់ចូលសួតដល់ចឹងវាកើតថាជំងឺស្ពឹកមិនមានខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់ព្យាបាលមួយរយៈវែងដល់ខ្ញុំពួកមន្ត្រីចិត្តសុខបំបីហ្នឹងការធ្វើការមិនបានធ្វើទេដល់ថាសម្រាប់កាលនោះមានពេទ្យនៅក្នុងគុកហ្នឹងអ្នកជាអ្នកទូដែរឈ្មោះពេទ្យថនពេទ្យស្រីឯងមកពីចិនហើយក៏ចាក់បញ្ជូលជាសះឲ្យរាប់ខែ When you came back after your recovery, were you somehow brought up to speed either by doing តាលោកដែលឮថាដូចនិយាយឬក៏ប្រធានកងរបស់លោកនិយាយអីទេនៅពេលនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខ 21 ដែរឬទេបាទសូម
You were brought to the hospital. And then in relation to the times that you saw You were not able to give an estimate when asked this question I'm asking you again today, can you give us an estimate as to how long we were away from SCT-1? Hai lok ban nyei tha lok ban cheing pi nong ariya pel yu chang ariya pel yu nung keu ariya pel praman khae praman chnam ro ko praman sapda bat ka samra chea ba le khnyom mon aich cham chbas te pon pa tam khnyom cham ba hai chea 4-5 khae panang. Thank you, Mr. Witness. So mok kun lok sa sei ដងប៉ុន្មានឬក៏យើងកុបពីចំឡងវាប្រមាណសន្លឹកដែលលោកត្រូវចំឡងវាពីចំឡោយសារភាពដែលលោកបានវាយអង្គលេខហ្នឹងប៉ុន្មានដងកាបនពេពើសឥតស្កលកូពីចំឡងវាប្រមាណសន្លឹកដែលលោកត្រូវចំឡងវាពីចំឡោយសារភាពដែលលោកបានវាយរួចណាតើត្រូវថតចំឡងប្រមាណសន្លឹកទៀតបាទពេលហ្នឹងមិនមានមិនកុបពីចំឡងអីទេគឺតែមានអ្វីអង្គលេខដាក់កាបូនអាកដារ៉ាមស្ដើងស្ដើងហ្នឹងFor every confession, there were six copies. So, would you choose confession to be more specific? You made six copies of Chun's confessions. Is that correct? Chun nung chum nuon pramui chbap ta tram trai dai rite. Bat pramui chbap tram trai. And do you know where each of those six copies would go to? I presume one would go to the archive, but where did the other copies go to? Do you know whether Duik, in his turn, sent clean copies to others, or did he send copies with his annotations to others?
ចម្លើយសារភាពនោះទៅហើយមានសរសេរចំណាទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទផ្ញើទៅខាងលើខាងលើទៀតខ្ញុំអត់ដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាផ្ញើទៅតែដូចមកខុសត្រូវអីដូចការមកវិញបើថាມັນខុសទេអាហ្នឹងបាទស្ងាត់តែហ្នឹងទៅ But is it fair to say that when you were completely done with interrogating a prisoner, there were six clean copies of the interrogation prisoner? Let me move on now to some questions on the final days that you were in S21. You gave quite a bit of testimony already about tanks approaching and the decision to hastily leave the premises of S21 on December 79. I have a few questions about, the 2 weeks before 7 January 1979. Did you get an order or did your group get an order from Duyk or anyone to destroy the administration of S21 or burn the confessions of the arrest. គឺមិនចប់ការសួរទាំងអស់ឲ្យនៅផ្ទះនៅស្ងៀមមកអត់ឲ្យធ្វើអីទេហើយក៏ប្រាប់ថាឯកសារដែលមានសេះសល់ខុសអីនៅក្នុងធុងសំរាមធុងអីហ្នឹងគឺត្រូវបំផ្លាញចោលឲ្យអស់ហ្នឹងចំណែកនៅទីធ្លាដែលខ្ញុំសួរប៉ុន្តែរឿងខាងដូចខាងក្នុងអាគារអីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេរបស់គេ But were you yourself involved in the actual destruction of any piece of paper? ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញឯកសារនានាដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខ21ដែរឬទេបាទរឿងឯកសារផ្សេងពីកន្លែងខ្ញុំធ្វើការអត់ដែលមានប៉ះពាល់ទេខ្ញុំដុតចោលតែក្រដាសដែលខ្ញុំសរសេរទៅវាខុសឬមួយវាចម្លងហើយខ្ញុំដុតចោលហ្នឹងមាន Did you or anyone working as S21 take with you when you were escaping documents or administration of S21? Just returning Did you see any fire, for instance, in the house? Did you see any attempts of destruction?
បាទទីតាំងសួរចម្លើយកន្លែងហ្នឹងគឺมันមានការដុតបំផ្លាញអីទេគឺកន្លែងហ្នឹងនៅទាំងអស់សូម្បីតែតុកហើយនឹងខ្នោះនាងសៅអីហ្នឹងគឺនៅទាំងអស់អត់មានយកចេញទេទល់ខ្ញុំរត់ចេញទៅហ្នឹងរហូតដល់ក្រោយមកទៀតដែលខ្ញុំបានចូលមកឃើញរបស់អស់ហ្នឹងនៅទាំងហ្នឹង I will leave the bigger subjects. Have you ever heard of a prisoner called Neto that means Mutha Pik Darite? He was one of the prisoners that survived. That was presented, but he was in S21 working some sort of mechanic. Tapek, we'll call him Tapek. He told interviewers that he wasn't brought into S21 in a truck, but in a Peugeot 404. Do you know whether normal cars were also used to bring prisoners? ថ្ងៃទី4ខែ4ហើយតើមានជៀបទៅលើបញ្ហានឹងដែរទេបាទរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញតែបិចហ្នឹងគាត់ធ្វើជាងដល់ពេលថ្ងៃ7មករានឹងរត់ទៅជាមួយគ្នារហូតអមលាំងខាងក្រោយមកហ្នឹងគាត់បែកតាណោះអត់ដឹងទេព្រោះប្រះយកតែអាយុគ្រៀងខ្លួន It's 11:30, Mr. President. No, I love the moon. I'm going to go to the moon. I'm going to go to the moon. វត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់រំលើឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកក៏ប្រាក់ខនមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អបានទៅដល់សុខសេចក្តីចម្រើនហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណផងដែរលោកមមរធាមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីលោកមេធាវីអាចសម្រាប់បានហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរំលោភជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលអង្គភាពគាត់ពាក្យសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនលោកប្រាក់ខនវិលត្រឡប់ទៅកាន់